Bonjour mes chers élèves de CE1, deuxième année primaire. J'espère que vous passez de bonnes vacances avec vos familles. Mais n'oubliez pas qu'après les vacances, vous aurez quelques contrôles. Alors, c'est une semaine de révision, de soutien et de reprise des cours qu'on a déjà vus précédemment. Prenez s'il vous plaît votre livre 1, L'arbre aux mots. C'est un cahier d'activité. On va voir bien sûr quelques soutiens et approfondissements. D'accord? Allons-y. Allez-y, prenez votre cahier d'activité, page 41 cette fois. Vous avez pas mal des exercices et d'activités, mais suivez avec moi, on va corriger tout. Alors, soulignez les verbes de chaque phrase. Le chien attrape la balle. Bien sûr, c'est attrape. Toujours la place du verbe, toujours s'occupe de deuxième place dans la phrase. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait le chien? Le chien attrape la balle. J'écoute avec attention ce musicien. Qu'est-ce que je fais? J'écoute, écoute. C'est le verbe. Tu achètes le pain tous les matins. Ne cherchez pas à la fin, ne cherchez pas au début, mais au milieu. Achète. Les lapins grignotent nos carottes. Grignotent. Que font les lapins? Grignotent. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes. Qu'est-ce que je fais? J'écoute. Qu'est-ce que le chien fait? Le chien attrape. Alors attrape, écoute, achète et grignote, ce sont des verbes. Complète avec le sujet que convient. On sait déjà que le pronom personnel sujet, c'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S. Cherchons, cherchons, je vois la terminaison en NS, alors je choisis nous. Nous cherchons la solution. Termine, je vois ici la terminaison en NT, alors je choisis il ou elle. Avec S, il termine ou elle termine leur assiette de soupe. Essayez une nouvelle chemise. Essayez, je vois ici la terminaison en Z, alors je choisis vous. Vous essayez une nouvelle chemise. Nettoie, c'est le verbe nettoyer avec YER. OYER, c'est un verbe de premier groupe. Nettoyer. Et nettoie leur chambre avant de partir. Nettoie leur chambre avant de partir. Alors, il ou elle. On peut dire ils nettoient leur chambre avant de partir ou elles nettoient leur chambre avant de partir. Alors, je refais. Nous cherchons la solution. Mettez ici nous. Pourquoi? Parce qu'il y a la terminaison en NS. Ils terminent leur assiette ou elles terminent leur assiette, soit il avec S ou elle avec S. Pourquoi? Parce qu'il a terminé en NT ici. Vous essayez une nouvelle chemise, vous essayez avec EZ. Vous essayez une nouvelle chemise, vous avec EZ. Il ou elle nettoie leur chambre avant de partir. Il avec S et elle avec S. Approfondissement cette fois, mes chers élèves. Remplace le sujet souligné par un des mots de la liste. Alors, on dit ils attendent le train sur le quai de gare. On demande qui attend le train sur le quai de gare. Bien sûr, ce sont des. La maîtresse, l'automobiliste, les fleurs. Mes parents attendent le train sur le quai de gare. Ce sont des voyageurs. Elles corrigent les exercices. Qui corrige les exercices normalement? C'est pas l'automobiliste. C'est la maîtresse. Elle parfume la chambre de mes parents. Alors, qui parfume la chambre de mes parents, je demande. Alors, qu'est-ce que parfume la chambre de mes parents? Ce sont des fleurs. Les fleurs. Il s'arrête au feu rouge. C'est bien sûr l'automobiliste. Alors, mes parents attendent le train sur le quai de gare. La maîtresse corrige les exercices. Les fleurs parfument la chambre de mes parents. L'automobiliste s'arrête au feu rouge. En recopiant sa leçon, Wassim a oublié des mots. Complète cette leçon avec leçon 1. Alors, leçon 1 s'écrit de différentes façons. Hein.
Il s'écrit avec IN ou IM ou comme dans les mots. Oh, alors, IN, IMOEN, comme dans les mots. Alors, ici, OIN, OIN, comme la ceinture. Hein? EIN. Alors, le lapin avec IM. Le train avec AIN. La ceinture avec EIN. Alors, je choisis pour vous. IN. AIN, comme le train. EIN. Alors, écrivez ici AIN, comme le train. EIN, comme la ceinture. Alors, le son 1 s'écrit aussi avec les lettres 1, AIM, comme dans fin. La fin, j'ai faim. Complète les phrases avec un sujet qui convient. Plantons de nouveaux arbres fruitiers. Alors, nous plantons de nouveaux arbres fruitiers. Ferme à 20 h. Les magasins ferment à 20 h. Ramassez des feuilles. Vous ramassez des feuilles. Vous ramassez des feuilles. Les boutiques ferment à 20 h. Nous plantons de nouveaux arbres fruitiers. N'oublie pas surtout de mettre ici le lapin avec IN à la fin, le train avec AIN à la fin, la ceinture au milieu, EUN, la ceinture. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous passez bien sûr de très bonnes vacances avec vos parents. N'oubliez pas de réviser à chaque fois la langue française, ce que vous aimez tous. Voilà, reprise cette semaine. À la prochaine vidéo.